veux voir des choses surprenantes, comme l'épisode 1. T'es resté sur l'épisode 1 sur Vadek et Randy. Vadek et Randy, gros souvenir des deux, pas toujours positif et pas toujours négatif. Encore une fois, ne jugeons pas trop vite les gens, parce qu'on peut vite être surpris. C'est parti pour le deuxième épisode de Nouvelle École, saison 2. Les gars, je suis trop hype, je suis trop dedans. Vous allez kicker devant 5000 personnes, les gars. On va voir ce que vous allez nous prouver devant les gens. À toutes, les gars. Si tu fais une presta moyen, tu vas direct le sentir dans le public. Tu vas te prendre une canette. Tu vas te prendre une trottinette. Oh, les bâtards, je reconnais ça. Hein. Ça, je reconnais ça. Ça, c'est pas de la trottinette. Hein. Oh, les chiens. Là, vous avez vu comment c'est des vanneurs. Moi, je veux des potes comme ça, wesh. Moi aussi, je voulais rigoler. Netflix, Nouvelle École, saison 3. Je veux participer. Je veux apporter ma pierre à l'édifice. Vous connaissez Nouvelle École? Il y a deux talents aujourd'hui qui vont essayer de rentrer dans la compétition. Maintenant, c'est vous qui allez choisir qui c'est qui part chez Nouvelle École. Vous allez m'entendre remercier Netflix à chaque épisode. Non, parce que à la manière dont je les ai démontés saison 1, mais là, saison 2, merci pour ce poulet. Hein. Alors là, je ne cesserai de le répéter. Hein. Je sais que cette opportunité elle est très importante. Je suis ici aujourd'hui pour tenter de changer ma vie. Quoi. J'ai l'impression que Randy force le sourire. T'inquiète mon gars, t'as le droit d'être stressé. T'as le droit de te chier dessus. Tu vois, ton pantalon, il y a l'espace pour le caca. Randy, surprends-moi. Randy. Donne ça à vous. Let's go. Y'a un track dans le rap, j'ai un phénomène. Je les veux pas dans mes oreilles comme du cérumène. Moi et l'amour, idées, on est très distants. J'écris mes sons solo, j'ai pas besoin d'asile. Au KFC, j'ai trop la dash de vol de wings. Je reste le best, yo. Je reste le best. Ah, est-ce que vous m'avez ressenti? Let's go. Faites du bruit pour vous, s'il vous plaît. Je suis désolé, c'était pas à la hauteur de tes clips là que tu nous fais. Ça c'était lourd, tu envoies la patate. J'ai quand même mon petit bémol. Il a un gros problème pour gérer son énergie. Faut le dire quand même, c'est le stress. Hey, il a beau forcer le sourire, les good vibes. Mais mon gars, ça se voyait que t'étais stressé. À un moment donné, t'étais hors temps. Maintenant, on va accueillir Vadek. Vadek, à toi gros. Tellement de temps que j'ai passé à bosser carrément, j'ai zappé d'appeler ma mif. Obligé de poser, obligé de casser les prods, comme si elle me devait du pif. Non, j'ai pas ralenti, j'ai accéléré, pour éprouver de compassion avec les cognos qui t'auraient mis dans les plantations. Me félicite d'avoir cru en moi, merci beaucoup le B pour les travaux. Vois 1, 2, 3, let's go. C'est qui va salir mon nez? C'est qui va salir mon prénom? Tu me fais du mal, moi je te ferai la même. Et Bélec, si mon démon t'attrape dans la pénom. Ok. Ok. Vadek, j'ai la sensation, il s'est vite senti dépassé par le public. Il a vu le public, il a pété un câble. Dans sa tête, ça devait être le bordel. On veut une star. Il y en a, ils vont dire oui, mais c'est la première fois et tout. Les gars, ma main au feu, que Elso et l'autre Mihawk, ils se seraient pas chiés dessus. Ils auraient envoyé la patate du siècle. Vous voyez de quoi je parle? Va falloir se réveiller un peu. Je vais être à votre écoute. Faites du bruit pour Randy. Ok. Faites du bruit pour Vadek. Aïe. Ok. Et vous verrez sur Netflix, c'est lequel qui est venu. Au niveau des cris, il s'est fait éteindre là, le Randy. Hein. Je vais vous débriefer un peu, moi, ce que j'ai trouvé sur chacun. Vadek, moi, j'ai trouvé que tu manquais un peu plus d'assurance que notre collègue. Les gars, c'est moi le plus chaud, c'est incroyable. Depuis la saison 1 avec SCH. SCH, c'est mon frère d'une autre mère. Lui et moi, on pense pareil. J'étais dans une bonne énergie quand même. Et je trouve que tu as réussi à les prendre après ton espèce de pont. C'est là que c'est venu. J'aurais aimé en avoir davantage. Et pour toi, j'ai trouvé ton énergie folle. Le public l'a ressenti. Ils ont vécu l'énergie que tu leur as transmise. Aujourd'hui, je vais monter à Paris avec... Bah, ça va être Vadek, hein. Ça va être Vadek, c'est sûr et certain. Toi, Vadek. Ah, bah oui. Et toi? Je veux pas que tu te décourages. Pas de soucis. Parce que la travaille vérité, la t'as ton truc. Ça manquait de technique aujourd'hui. Peut-être demain, ça en manquera moins. Comment jusqu'à maintenant, SCH et Niska, ils ont pas fait un stage pour se dire hey, tu sais quoi? T'es un bon juge. J'aimerais que tu me donnes des cours. Mais je suis désolé, Shy. Il fallait prendre des cours. Feel Good Music 2022. On n'oublie pas. Putain. Aïe. Ça y est, c'est maintenant qu'il pleure. Merci Netflix.
maintenant qu'il se retourne et qu'il n'y a plus les caméras. Oh putain, merdé. Evry. Le monde est méchant, dans l'heure des pépettes, c'est qu'on avance les champs. Je suis un peu sur la réflexion parce que j'ai laissé deux hier à qui j'ai pas donné de réponse. Hâte de voir les nouveaux talents et voir s'ils méritent. Il va falloir qu'ils représentent un peu la zone. Et donner rendez-vous aux talents. LP. Je m'appelle LP, j'ai 26 ans et je viens de Paris Nord-Est. Moi, je pense être un vrai compétiteur. Yo. Ça va ou quoi? C'est amoureux, tranquillement. LP, enchanté. La forme, enchanté, you boy. Just boy. Comme il se prend pour Playboy Carti. Just boy aussi, il a envoyé. Avant le rap, j'ai fait du foot. Après, j'ai arrêté, le foot, c'est mon ex maintenant. J'ai pas trop envie d'en parler. Et je suis prêt à aller à la guerre. Just boy était vraiment très intéressant. Tu sais, même quand il parle et tout, t'as envie de l'écouter. Il est drôle sans en faire des caisses, tu vois. On dit, hey, il est trop... Yeah, good thing music, yeah, I'm talking about. Ça va, ça a pas été trop loin, le 9-1 et tout, ça va. Ça va. Tranquille. Ça va. Pas loin ton coin. Tu ferais quoi, toi, par exemple, Just boy, avec les 100 000 euros? Moi, j'ai 100K, je vais au Dublin. Non, en vrai, sérieux, tu connais le projet. Projet à fond. Et tu proposes quoi? Je vais te le montrer, moi. Ah, bien répondu. Ah. J'aime bien. Spécial dédicace à personne, fallait être là. Page blanche dans ma plume, j'ai un tas de sang. Dans le cœur et sur le bras, j'ai un 400. Câlin, pas de danse. On va régler nos contentieux. J'ai peur de voir mon compte aux cieux. Mesdames et messieurs, deux lourds pour le ceux. On t'allumera ta grand-mère si tu touches au lagarèche. Oh! J'écoute White Cliff Jean. Ils ont pas capté le délire, ils se moquent de nos fringues. S.O. Gamma Bunta. Dans le Lamborghini Countach. Dans mon lit. Sale. Attendez, j'ai du mal à comprendre ce que je me suis mangé. Parce que ça, en temps normal, le début masterclass. À un moment donné, il a commencé à bifurquer dans son délire. En temps normal, j'aurais dit, hey, comment c'est gaze. Mais lui, il est tellement dans sa nonchalance, il est tellement dans son personnage que ça passe. Rem, on a vraiment quelqu'un qui arrive avec son identité, il arrive avec son délire, il arrive avec ses sapes. Il s'en bat les couilles. T'as mis la pression là un peu là. Hein. Quand même. Hein. Quand même. Hein. Et puis, oh, comment je serais en train de me chier dessus à sa place. Honnêtement, je me sens bien dans mes baskets, les yeux vers le ciel, je dois viser le top. J'ai chassé mes vieux démons, résolu les casques. 36 balles et toutes mes dents et une envie de gagner qui me prend au fond des tripes. Tu peux retourner te coucher, on n'a plus besoin de toi. L'histoire, on l'a fait, on la raconte, on l'est créé. Oui. Je me laisse pas envahir oui. Par la flemme. Passe au 386, y'a personne qui dort. Ça fait sonner la gratte qui borde à ce qui paraît. C'est là, ça, c'est mes dieux qui donne. Je valide. Il brille par son côté très scolaire. Au premier abord, tu te dis, bon, ce qu'il fait, c'est pas ouf. Si t'écoutes bien et que tu te poses correctement, ce qu'il fait, c'est mathématique, frère. T'aurais appris qui, toi, honnêtement? Moi, entre les deux, là, ouais. Tout de suite, là, moi, j'aurais pris le premier. Direct. Just boy, il brille trop. Il brille trop par sa personnalité. Après, le deuxième, il y a de l'envie, tu ouais, vois. Bah, ouais. Il y a de l'envie. Je pense qu'il faut qu'il trouve son truc à ouais. Lui, tu vois. En fait, il manque peut-être de vision. Au premier abord, quand tu vois comme ça, j'arrive à suivre Niska. Le problème, c'est que moi, j'ai connu LP dans d'autres conditions. Donc forcément, ça biaise mon jugement. Pour te dire, pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par toi, Just boy, vu que tu avais commencé en premier. Ouais. Tu maîtrises ton sujet, tu joues avec les assonances. Après, le bémol pour moi, c'est délire un peu à l'ancienne et tout. Bon, c'est pas mon délire, t'as vu, mais ouais, malgré que ce soit pas mon délire... Il a grave pas compris. Niska, il a pas compris. Just boy, il est dans le futur. Il est grave pas à l'ancienne, mon ref. Tu vois, cette fois, il a enlevé les lunettes parce qu'il savait que j'allais le vanner. Que tu proposes, tu vois. Non. C'est juste plus actuel, parce que là, ça me ramenait vraiment okay. À l'époque, tu vois. Okay. Mais grave pas. Il faut des trucs du futur, tu vois, ouais. Mais un truc, tu vois, qu'on connaît pas, tu vois, mais okay. Qu'il soit lourd. C'est quoi ces arguments de merde? Mais je suis choqué. Ils n'ont rien apporté. Mais en plus, on a un duo d'arguments de merde, en fait. Ça veut dire que Landy, il en rajoute derrière. Dis-le directement à Niska si tu veux un feat. Le créneau dans lequel tu vas, c'est un créneau où c'est bombé de monde. Mec qui excelle dans ce domaine-là, ils ont une façon dans leur plume d'être très fin. Complètement. Et je pense okay. Que t'as vu dans ce que tu m'as proposé aujourd'hui, ça manquait un peu de finesse. Ok. News boy. Ok, ok. Tu vas venir avec moi. Ah ouais, moi bah, j'ai ouais, envie ouais. De faire flipper bon. Les deux autres quand j'arrive là-bas. Voilà. Ça, je vois, il y a des trucs cachés encore. Oui. Ok. Ils finissent par dire que Just Boy, en fait, il cache peut-être quelque chose, il cache un délire. C'est ça qu'il fallait dire dès le départ. C'est pas vos trucs là, ouais, c'était trop à l'ancienne, blablabla. Non. Je sens que t'as la dalle. T'as la dalle. Et Shai ne l'a pas dit jusqu'à maintenant. Hein. C'est venu de la bouche d'SCH, Niska. Serait-elle rassasiée? Attentif et tout. Et c'est là où tu fais changer ma décision. Moi. Oui, oui, oui. Merci. Merci pour la confiance, Niska. Merci. Je suis nul. Ça y est. J'ai pris ma décision pour HLSO, je vais leur donner le verdict. Ah mais ouais, mais là du coup, il va pas reprendre deux personnes comme ça. Yo l'équipe. HLSO, H2 Haze, il m'a fallu plus de temps pour vous départager. Le choix s'est fait sur lequel a le plus attiré mon attention musicalement. HLSO. Ouais, bah oui. HLSO. Bah oui. Non, sans le mon gars, HLSO. De retour à Bruxelles. Je les casse record, j'aime pas mon cul, ni au bolos, ni au maison.
DAB. J'ai confiance en mon karaté. Hey yo, ah ouais, moi c'est Cristal, j'ai 31 ans, je vais un peu cracher mon venin. Mais c'est toutes des darons cette année ou quoi? Elles ont toutes des 31 ans, on dirait, elles en ont 18. J'ai l'impression que tu repars un peu à zéro là maintenant, bravo. Uh-huh. J'espère que vous allez nous envoyer du lourd. Chauffez-nous. Hey, hey, je cours derrière le bif, ton gars un chien court derrière mon huc. Français, Oulingala, Ezali, Sokolingi. Tous les yeux braqués sur moi, cri cri à les ennemis. Tu sers mes ex, je te laisse grailler mes miettes. Comme le corona, on vient en secret dans ta fête. La sac élevée, c'est ça qu'on veut. Le rap français, je tire les cheveux. 2023, j'allume, j'éteins, gros fin de toi. Tchao. Attends. J'ai trop de trucs à dire. Eh, vraiment, je vous jure, son texte est éclaté au sol. Le truc qui est vraiment dommage, c'est qu'elle a une bête de voix. Et voilà ce qu'elle en fait. Eh, c'est trop gaze. Je savais pas au début si c'était moi ou si vraiment c'était trop nul. Et si t'es pas content, bah suicide-toi. Et c'est trop nul. Eh, je les sélectionne tout à la courte paille. Je les baisse, leur écart lâche jusqu'au tour de taille. Verre de soda, cognac ou liqueur. Je t'écrabouille le faciès au marteau piqueur. Et j'encule tous ces fils de pute de chroniqueurs. Oh, je tords dans la chepeau. Plein fort dans l'archepeau. Zut. J'ai bien aimé, mais c'est trop générique. Elle a un état d'esprit qu'un riz, mais il faut que tout le reste, ça va avec, tu vois. Et tout le reste, ça va pas avec. Oh. Mais Chai, merci. Un argument, oui, c'est trop caricatural. Après, le mec, c'était un peu court quand même. Tu dis, mec, ouais, là, maintenant, c'est ta deuxième chance, tu vises. Mais merci, Chai. Enfin, dans le Panthéon. Merci. Franchement, si elle choisit personne, ça me choquerait pas. Donc déjà, toi, Cristal, dans ton texte, je trouve que tu rappes bien. Tu sais poser et tout, t'as un bon flow. Mais après, j'ai pas réussi à comprendre qui t'étais vraiment. Mais il faut qu'il y ait de la profondeur. Sinon, tu touches pas. Et là, tu fais beaucoup de manières. Voilà. Nous, derrière, on t'attend en tournant. Tu vois ce que je veux dire? Oh, je suis gênée, putain. C'est tout? Ok. Ah, oh, c'est gênant. Ah, oh, c'est trop gênant. Oh, mais cette meuf. Oh, mais putain, mais c'est... Je suis choqué. Ça a commencé à chauffer, c'est le moment où tu t'es arrêté. Je voulais vous laisser sur la fin, comme ça on termine à Paris. Ouais, tu vois, quand je veux partir d'ici, je veux plus avoir faim. Ah, vous avez la dalle, ils ont la dalle. Si vous voulez, a cappella. Putain. Leonardo Di Million a encore frappé. Qu'est-ce que je disais juste avant? Qu'il faudrait qu'il ait une seconde chance qu'il puisse poser a cappella. Mais ça, je reconnais, ça c'est l'expérience qui parle. C'est le moment de prouver, sinon il va devoir aller vendre le chikwanga à Bazangungu. Je reconnais. Vas-y. Ok. Les majors Marcel pour que leur contrat je paraffe. J'ai pas de laisser passer, je casse tous les barrages. Toujours dans les parages, si on tue ces parages. Très tard sur le raté, comme Yann vers ton gun. Ma bombe nucléaire s'écrasera vers ton gun. Son texte, il est pauvre. Il pose bien et tout, il a tout ce qu'il faut. Son problème, c'est ses textes. Ou alors, donnez-lui un ghostwriter. Il y a moyen qu'il l'emmène. Mais moi, franchement, je suis curieux de voir ce qu'il va faire à Paris. Tiens, voilà. Ok. Ah bon, en vrai, même toi, hein, si tu veux proposer quelque chose d'autre. Moi, je suis bien. C'est ça que tu réponds. Moi, je suis bien. Espèce de Congolaise. C'est pas ça qu'on te demande, Cristal. Est-ce que t'as la dalle, oui ou non? Est-ce que t'as la dalle? Ils ont mis les prods pour toi. Ils ont mis les moyens. Ils ont mis des caméramans qui font des plans, des contre-plongées, pirées. Moi, je comptais prendre aucun des deux de base. Je suis obligée d'être sûre des gens avec qui je pars. Ce qui t'a sauvé, là, c'est ce que tu viens de faire là, maintenant. Ah, bah oui, donc, bah oui. Donc, tu vas venir avec moi à Paris. Là-bas, les mecs, ils sont chauds, ils ont faim. Envoie, tu vois. C'est bon, on peut vous gérer. Okay. C'est bon, vous pouvez quoi? On va finir. C'était chaud, les gars. Il a failli avoir une baston. Chai, t'aurais trop dû te taper. La tête, je t'aurais soutenu, Chai. Tu comprends ça? Je t'aurais soutenu. Fabulous, baby. Là, je suis un pétard, ça fait trop longtemps que j'attends, là, j'attends juste de rapper, là. Genre, ah, Driss, je me souviens. En fait, quand il posait, je trouvais qu'on n'y croyait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il va me faire fermer ma gueule. Driss, tu peux monter dans le train de « Je ferme la gueule » de Loni. Driss, t'es chaud? Allez. Je t'écoute. Vas-y. Si on fait cypher dans ma tête, c'est la reggae. Si j'en shoot un, c'est 10 points. Comment il rappe comme ça? C'est ça que je disais. Il rappe comme un mec qui fait 20 kilos de plus. Tout à l'heure, il parlait tout gentiment, il était tout mignon. C'est qu'on est prêt à tout. Pour la thune, on est créatif. Pas d'échec si la défaite est acquise. Ils vendraient leur mère pour un paquet. Je peux pas taper la foule pour affronter la foule que le ciel me fout droit si j'ai failli. De ce que j'ai entendu, le problème, déjà à la base, c'est le rap que j'écoute pas. Objectivement, la voix qu'il a, c'est des voix qui me touchent pas. Ça fait des années que j'ai prévu toute ma DA. Je pense avoir 5 ans d'avance. Mais au moins, ça me permettrait de vraiment faire les choses bien. Mettez-moi dans la difficulté si vous le souhaitez. J'en ai rien à foutre, je suis totalement pété. 140 sur l'autoroute, Lino, assis dans le GT. C'est pas moi qui conduis, c'est la mort ou mon refrain. Bipolaire pour capter que... Ah, merde, non, non, non. Oh,
Oh, je suis frustré pour lui. Oh, je suis frustré. Hey, tu l'avais détruit matin, midi et soir. Mais comment t'as pu bégayer à ce moment-là? J'ai promis à ma mère que j'assumerai ma position. Ouais. Dans ce rap game, je suis le joker. Sur le rap, t'es mode 4-4-2, ça bouge pas, j'ai de là l'équipe. Un match épique. Nina, 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 Nina. Ah, il va les avoir avec ça en plus. Quand il a pété un câble. Hein. Alors, je sais déjà que de nature, SCH est pris par ce genre d'artiste. Il a une putain de voix. Il a plusieurs personnalités. C'est mal géré. Je chie dans les draps quand il faut poser un message. Driss, il est très fort. Il écrit très bien. C'était pas obligé, pour moi, Driss, c'est un rappeur. Et puis Warren, pour moi, c'est un artiste. Si tu devais en garder quand même. Si c'est un choix personnel, ça serait Warren. Maintenant, si c'est un choix pour la compétition, etc., ça serait plus Driss, au final. Pour la compétition, c'est Driss, il passe. Hein. Ça fait des années maintenant que je charbonne. Bipolarité artistique, je trouve que c'est le terme qui me correspond le plus. En gros, dans mon univers, il y a Warren et il y a John. Warren, c'est la lumière. Et tu vas avoir, du coup, John qui va être principalement les ténèbres. Dans ce type de storytelling que je trouve déjà vu et revu, je commence à le trouver très gênant. Je vais te prendre avec nous à Paris. Driss, fratello, tu sais rapper. Ça, on peut pas te l'enlever. C'est pour ça que je te prends avec moi à Paris. C'est pas tous les jours comme ça. Ça veut dire faites-moi kiffer une fois qu'on monte là-haut et au plaisir de vous voir. Moi, c'est Naira. J'ai 23 Naira ans. 93 de sur la zone, tu connais déjà. J'ai commencé à rapper à l'âge de 12-13 ans. Je dois call out quelqu'un. Je fais appel à Disha. Disha, elle revient de loin ici. Elle écoutait tous ses sons et connaissait les sons par cœur. Mais Disha, t'es une ancienne comme ça, toi? Disha. Ouais, ouais, le monde est méchant. Ouais, le monde est méchant. Ouais, ouais, vraiment trop méchant. Aujourd'hui, ce que j'espère vraiment, c'est de voir du niveau et prendre du plaisir surtout dans ce que je vais entendre, ce que je vais écouter. SL Crack, SL 500, Juan Coca, 18ème, pardon. Putain, mais il y a des big darons cette saison. Bayas, j'ai dit beaucoup de mauvaises choses de lui. Bayas, par pitié, choque-moi. Très bonne tête. Le SL, c'est un jeu de mots avec mon prénom et tout. Le crack, c'est une dédicace à mon quartier, tu vois. C'est la porte de la chapelle. Hey. Oh, les prods, putain. Hey. On rentre chez toi, on vole, on revend, même si c'est pour gratter 10 balles. Tu veux qu'on arrête Hey. Renoir, qu'est-ce que ça, c'est que c'est nous les plus mal polis. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça et ça me plaît pas. Parce que c'est SL Crack, tu vaux mieux que ça. C'était pas ça, hein. Là, je suis sur ma faim. Donc là, on va enchaîner, Bayas, à toi. C'est nous les fils de... Hey. Hey. Bayas, choque-moi. Hey. Hey. C'est nous les fils de pauvres, condamnés à devenir riches. Maintenant, faut becter, faut digbatiche. Je veux que des euros, je m'en fous de sa chatte. Moi, ici, je suis un dealer. Au bled, mes cousins, c'est des brouteurs. Attaquez, Mongolie. Sale, sale, sale. Non, non, non. Bayas, avec tout le respect que je te dois, j'arrive pas à monter. J'arrive pas à monter dans le train, je suis désolé Bayas, j'y arrive pas. Ça manque de richesse, ça manque trop de richesse. J'ai beaucoup apprécié ton aisance. Après, ça se voit que vous bossez ensemble. Ouais. Donc si on a le même produit sur les deux, bah, ça sert à quoi d'avoir les deux? Ah, c'est intéressant ça. C'est le Niska qu'on veut. Oui. Après Bayas, je vais pas te mentir, je t'ai trouvé plus à l'aise avant de commencer le freestyle que quand t'étais dedans. Mais pour pouvoir continuer l'aventure avec vous deux, il faut qu'on voit ce que va nous proposer le troisième talent. Bonjour. 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 Ah bah oui, j'avais oublié, je suis con. Ça va, tu vas bien. Naira, let's go. Niska. Imaginez, Naira, elle est détruite. Ok, bah vas-y, on va y aller alors, sans plus attendre. Let's go. Je me prends toujours la tête pour des futilités. J'ai cassé la machine qui pensait m'utiliser. Quand mon cœur est brisé, y'a que moi pour réparer. J'ai baissé les armes pour la guerre, je suis préparé. Naira, c'est une meuf bien, mais quand je réclame ma part, on dit que je suis méchante. Ah ouais, je compte piétiner le game pour laisser ma trace et crever comme une légende. Bang, bang, pa, pa, pa. Merci à toi, Naira. Et comment elle les a détruits? Naira, je monte dans ce train. Regarde la tête qu'ils font. Eux-mêmes, ils savent. Après, ça craque. Lui, en l'état, franchement, j'ai trouvé à l'aise de ouf, tu vois. Il t'emporte bien dans son délire, tu vois. Ça, tranquille, vrai. Tu vois. Tranquille. Pas spécialement force tranquille, tu vois. Il est là avec ses barres, ses trucs et tout. On a mis du temps parce que c'était pas facile. On va garder toi, SL Crack. Quoi? Ça tue, ça tue. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est Bayas qui va rester avec nous. Non, non, okay. Non, non, ouais. Non. Non, mais non, mais non, en fait. Tu privilégies Bayas à Naira? Encore SL Crack, je comprends. Tu mets pas Naira de côté pour Bayas. Mais comment ça? Elle les a lavés. Je crois que vraiment c'est le choix qui m'a le plus énervé jusqu'à maintenant. Oh, je suis énervé, hein. Je vais tweeter longtemps dessus. Déjà, j'ai fait un grand pas.
J'ai pu dire ce que j'avais à dire, j'ai transmis les messages que j'avais envie de transmettre et c'est déjà pas mal. Là, on rentre dans la deuxième partie de la sélection et j'espère qu'on va tout baiser. Les gars, j'ai encore le seum, frère. Comment Naira, tu la mets à la poubelle? Aujourd'hui, il y en a 26 et seulement 15 seront sélectionnés. Il y a des sous à la fin. Hein. Josué! Tu t'appelles comment? Je m'appelle Do. T'es Do! Toujours pareil. Let's go, t'es paré? C'est parti. Oh là 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 là, putain. Les gars, il y a eu tellement de rebondissements, je suis à bout. Tu peux pas t'empêcher de dire un truc toutes les 20 secondes. Il y a toujours quelque chose à dire. Merci Netflix, pitié. Moi, c'est le choix du jury qui est en train de m'énerver. Naira, paix à son âme. Un ange parti trop tôt.